Does anybody speak French? Old style humor. Sentence. You're my best friend. Oh. Monsieur ça, vous êtes avéré avec ce bazooka. Bazooka? Oui. Que bazooka? Bah celui-là. Ah ça. C'est pas un bazooka, c'est un bazooka.
Regardez bien ce changement d'attitude. Wow, the doulalou. L'animal est prêt à me manger. Oh ben non. Ma gueule, c'est l'heure de la bière et de la clope là ou quoi? Et il est même pas 18h. Pourquoi tu commences? Oh putain, mais ça va pas ou quoi? Je dors. C'est qui Chloé? Quoi? C'est qui Chloé? Je sais pas qui c'est, moi Chloé, pourquoi tu me demandes ça maintenant? T'oses me mentir en plus? Je te mens pas, je te dis que je sais pas qui c'est Chloé. Ah ouais? Alors comment t'expliques que dans mon rêve tu reçois le message d'une Chloé qui dit viens dormir chez moi ce soir? Mais c'est un rêve, on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles en fait. Putain, c'est pas. Tu m'as trompé. Mais je t'ai pas trompé, je sais même pas ce que je fais moi dans ton rêve, c'est pas moi qui choisis. Évidemment, tu sais pas ce que tu fais quand il s'agit d'aller chiner des meufs et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un mec pareil? J'ai rien fait, bordel, je te dis, c'est pas la réalité. Regarde, par exemple, quand je rêve que je couche avec ta pote Marie, bah ça veut pas dire que je couche vraiment avec elle. T'as dit quoi là? Non, attends, c'est pas le bon exemple. Tu rêves de te taper Marie? Non, j'ai pas dit ça. Si, c'est ce que tu viens de dire. Non, j'ai pas dit ça. Si, tu viens de dire je rêve de me taper Marie. Non, j'ai dit que je rêve de me taper Marie. Non, j'ai dit que je rêve que je me tape Marie. Mais j'en rêve pas en mode waouh, j'en rêve. Eh, tu sais quoi, vas-y, dégage, va dormir dans le canapé là. Quel canapé, on a que ce clic-clac. Mais c'est pas mon problème. Vas-y, dégage, c'est bon. T'avais qu'à pas me tromper. Ça, et il faut pincer ici. C'est exactement comme ça qu'il faut ouvrir un paquet de chips. Excusez-moi, monsieur. Salam alaikum. En fait, je suis malade, j'ai Alzheimer et je cherche un hôpital, s'il vous plaît. Le plus proche ici, ouais, s'il vous plaît. Avez l'hôpital Saint-Louis. Salam alaikum. Oui. En fait, j'ai Alzheimer et en fait, je suis pas bien et je dois y aller vraiment à l'hôpital maintenant. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur. Ouais. Donc, vous allez là-bas tout droit, vous continuez. Salam alaikum. En fait, monsieur, j'ai Alzheimer et je dois y aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez vraiment un grave problème. Tu peux appeler l'ambulance ou la police, chef. Salam alaikum. En fait, monsieur, j'ai Alzheimer et je dois y aller vraiment à l'hôpital. Oui. Salam alaikum. Monsieur, on va vous expliquer comment aller, mais là, je pense que vous avez vraiment des problèmes, donc on va aller à la police ensemble, ok? Salam alaikum. Monsieur. Ah, c'est bon, monsieur, je rigole, c'est un prank. Non. Appelle la police, s'il te plaît. Non, je suis pas malade, je te jure. Non, on va juste appeler l'ambulance parce que là, monsieur, ça ne va pas. C'est un prank, monsieur. Regardez, je filme. C'est un prank. Non, monsieur. My name is Strain, and this first day to me heard about Hood. Come on, get him. That's not my thing, you pew. Hey, B,
bébé, t'inquiète pas, ça va le faire. Je vais embrasser un autre homme devant toi, je sais pas. Mais t'es actrice, je suis caméraman, on sait séparer le professionnel du personnel. En plus, c'est notre premier tournage ensemble, c'est trop bien. Bon, ça me rassure que tu le prennes comme ça, alors. C'est rien, wesh. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Chut, chut. Scène du baiser. Moteur, caméra, action. Amy, je t'aime. Moi aussi, Lucas. Embrasse-moi, grosse folle. Waouh. T'embrasses trop bien. Ah, voilà, c'est dans la boîte, hein. C'est pas fini. Elle est très très bien, là, cette scène, c'est bon, hein. Continue à filmer, c'est pas fini. Purée, il m'affiche. C'est moi qui décide. Amy, quand tu l'embrasses, mets un peu plus d'intensité. Attrape-le en bas, là, de temps en temps. Allez, direct, action. Oh, Amy. Oui. Touche-moi. Là-bas. Oh non, qu'en bas, tu crois, là. Ah, vas-y, tais-toi. Je crois que le caméraman, il a une question, il lève la main. Oh là là. Contrôler ma voix off de journaliste qui commente toutes les images de cette manière. C'est hyper chiant parce que moi, voilà, je parle et tout à coup, c'est le drame. Dans les vidéos, il y a même des gens qui critiquent ma coiffure, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais vont-ils réouvrir le 11 mai, comme la totalité des commerçants? Du coup, en attendant, je reste confinée et puis je regarde des films. Hier, c'est Terminator 3, quand la fiction prend le pas sur la réalité. Fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. La fatigue, un des symptômes du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Oh, oh, c'est incroyable. Oh oui, je suis fier. Franchement, je suis fier. En live quasi tous les jours, t'es le bienvenu chez Illégal. Multigaming, fun, humour, pour le gameplay, il régale. Dans son à propos, t'as tout, ce mec est carré, tu le constates. Tu peux le suivre un peu partout, Twitter, Instagram, Snapchat. Tout ce qu'il fait, gros, c'est le feu, même ses vidéos cartonnent. Pense bien à mettre ton pouce bleu et la cloche, frère, quand tu t'abonnes. V2 Srime.